Si pour les fêtes de fin d'année à la montagne. Je jette un petit coup d'œil, un miroir quand même. Non, dans les cheveux, ouais, c'est pas mal. Je regarde si je suis pas en pyjama. Espace, espace libre, espace vert, espace vital, espace critique, espace clos, manque d'espace, espace-temps, l'espace d'un instant.
l'espace, le vide ou presque, l'impalpable, ce qui est à l'intérieur de nous et dans lequel on se déplace. L'espace et le regard, l'espace et les échanges, l'espace et le désir. Désir alors de l'occuper cet espace, la conquête de l'espace. Envie de courir, de sauter, de tourner en rond si je veux, de marcher toujours droit devant, comme un funambule sur ma ligne de vie. Je regarde le ciel, je me sens bien. Quand je regarde le ciel, je me sens apaisé. Quand je vois le ciel, je vois mes parents. Quand je regarde le ciel, je me sens merveilleux. Quand je regarde le ciel, j'ai les yeux qui brillent comme les étoiles. Le ciel, je me sens épanoui. Quand je regarde
regarde le ciel, je suis émerveillée. Je vois les hirondelles, les oiseaux, les papillons, enfin voilà. Quand je regarde le ciel, je me sens épanouie. Quand je regarde le ciel, je me sens petite mais vivante. Quand je regarde le ciel, je me sens rêveuse. Quand je regarde le ciel, je me sens toute petite. Lorsque je regarde le ciel, j'ai le vertige. Protestants, nous sommes tous égaux, enfin je l'espère. Infirmières, infirmiers, instits, profs, médecins, chirurgiens, employés des espaces verts ou de la voirie, éboueurs, cuisiniers, serveuses, boulangers, bénévoles, patrons ou simples employés, nous sommes tous unis, voilà notre point commun. À bon entendeur, suivez-moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers publics ici réunis pour nous regarder, je vous remercie. Effectivement, vous faites ça admirablement. En ce moment précis, vous me regardez. Et ça me touche. Ce n'est pas rien d'être face à vos regards. Un regard, un bon, peut mettre en lumière, donner de l'importance, de la valeur. Est-ce que je continuerais à exister si plus personne ne me regardait? C'est quoi la beauté? Sûrement pas une science exacte. Est-ce que la Joconde est belle parce qu'elle l'est vraiment ou parce que tout le monde la regarde avec admiration? Alors encore une fois, merci pour votre regard bienveillant, rassurant, souriant, complice. Merci pour les regards qu'on échange. Tu me regardes, je te regarde. Nos yeux se croisent et c'est le début d'un voyage. Je sors de moi-même et je pars à l'aventure, à la rencontre de l'autre. C'est comme partir au bout du monde. Je mange un monde, commence ça à cette maison en ruine. Le bout du monde commence une cuisine. Wait.
la galère. Du monde commence où s'arrête celui de l'autre. Chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première, réussir aisément la plupart. Accepter l'enfer. En devenir une part, au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi. Au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer. Et le faire durer et lui faire de la place. Au-dessus des vieux volcans, les aisselles sous les dents. See?